Stockholm, il y a un vaste réseau de transports en commun, et notamment le métro. Et certaines stations ont une décoration plutôt surréaliste. À 20 minutes du centre-ville de Stockholm se trouve le Maze Garden, qui est un jardin créé par l'artiste du même nom. Et c'est assez surprenant car on a l'impression d'être sur les bords de la Méditerranée, de par l'architecture avec ses colonnades, les fontaines très présentes, le temps aussi qui aide, il faut bien le dire, et la végétation. C'est vraiment surprenant de trouver tout ça si près de Stockholm. Et visite aujourd'hui du Skansen, un autre musée de plein air, comme celui d'Oslo, qui est un concept dont raffolent les Scandinaves. Musée nordique, on apprend qu'il était d'usage sur les tables bourgeoises de traduire tous les menus en français et de dresser la table à la française. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ça se retrouve toujours aujourd'hui dans les enseignes de nombreux magasins et surtout de restaurants où on met des mots de vocabulaire français plus ou moins dans le bon contexte, simplement pour faire joli ou pour donner un air distingué à l'enseigne. Alors Stockholm, sur le papier, c'est une ville qui ressemble un peu à Venise, quoi. C'est-à-dire, elle est construite sur un ensemble d'îles qui sont reliées par des ponts avec des navettes fluviales. Mais voilà, la comparaison s'arrête là. Stockholm est bien plus étendue, aérée, et n'a de cesse de s'agrandir, de se renouveler. Et la plupart des quartiers ont vraiment une identité qui les différencie des autres, une identité distincte, et dont l'architecture en est le témoignage. On va y retrouver du néo-gothique, du style Beaux-Arts, une architecture plus fonctionnaliste des années 50-60 et des choses bien plus contemporaines lorsqu'on s'éloigne un petit peu du centre-ville. Et par contre, à l'opposé, on a le vieux Stockholm, qui est un quartier que j'ai pas trop retrouvé dans les autres villes que j'ai pu visiter, à part Bergen, où là on a presque une ambiance qui ressemblerait au vieux Lyon. Et ce qui est intéressant aussi à Stockholm, c'est sa grande diversité culturelle, notamment en matière de musées comme Oslo. Et aussi, ce qui est bien, c'est que c'est une ville dont il est facile de s'échapper. Il suffit de prendre une des navettes fluviales et on peut très vite se retrouver sur des petites îles beaucoup plus intimistes. Et voilà, nous sommes samedi 21 août et il est temps de rentrer, après ce long périple d'un mois. Et me voilà rentré. Donc ce fut au final une expérience vraiment enrichissante et stimulante, et je savais vraiment pas vers quoi j'allais m'aventurer en portant comme ça un mois tout seul dans ces quatre pays qui m'étaient totalement inconnus. Et voilà, le fait de devoir échanger en anglais et d'être seul, ça m'a vraiment poussé à
à m'ouvrir en fait quelque part aux autres et à sortir de ma bulle. Et l'expérience aurait été, je pense, complètement différente si j'avais voyagé avec une ou plusieurs autres personnes. Alors il y a eu beaucoup de bons moments pendant ce voyage, notamment cette randonnée à Floyen au-dessus de Bergen, ou la vue de Stockholm illuminée lorsque je sortais de mon bateau hôtel. Mais si je devais en retenir qu'un seul, ce serait ce moment dans les Lofoten, à bord du Waslören, lorsqu'on est passé le long d'une montagne baignée par ce soleil couchant et qui se révélait au fur et à mesure de notre avancée, avec une cascade sur les côtés, et puis encore en avançant quelques poches de neige ça et là, et au fond une chaîne de montagnes ciselées qui découpait l'horizon. Et c'était vraiment un moment magique.